Je suis conscient qu'il y aura des communications beaucoup plus importantes que ma chanson. Mais si chacun n'apporte pas sa petite pierre à l'édifice de l'avenir que nous voulons construire, l'édifice n'aura pas lieu. Voici donc ma petite pierre. J'aurais dit à ce monsieur qui venait nous vendre le bonheur nucléaire, qui n'est pas une chose impossible, mais il y a quelques problèmes, il faut bien l'avouer. Et je dis à ce monsieur, tu viens nous voir en homme d'affaires, les mains pleines de milliers d'emplois, avec ton savant nucléaire, compteur Geiger au bout des doigts. Et vous nous proposez d'extraire de nos galets de l'uranium, comme s'il était question d'en faire un jardin de géranium, comme s'il était question de faire un jardin de géranium. J'ai su d'entre les épinettes, sans faire de peine à tes projets, qu'un peu partout sur la planète, on s'interroge à ce sujet. De ce qu'on apprend dans les nouvelles, ton expert n'a pas soufflé mot. Cette énergie-là se révèle un dangereux Eldorado. Cette énergie-là se révèle un dangereux Eldorado. Les noms de ces malheurs sonnent drôles. Tchernobyl et Fukushima. Paraît que si on perd le contrôle, c'est bien mauvais pour le climat. Puis de l'énergie. On a à revendre. La plus belle preuve, c'est qu'on en revend et qu'on n'a pas fini de prendre celle du soleil et celle du vent et qu'on n'a pas fini de prendre celle du soleil et celle du vent. Essaye pas de nous rendre responsables du développement de tout le Québec. Ça fait longtemps qu'on est sur le sable, puis on s'est arrangé avec. Dans ton discours, sans que ça m'étonne, la beauté est un mot tabou. Faudra demander aux Autochtones d'expliquer ça aux caribous. Faudra demander aux Autochtones d'expliquer ça aux caribous. Sois pas surpris du moratoire pour réfléchir avant de creuser. C'est qu'ici on a de la mémoire, puis que t'as l'air d'un gobain pressé. Tu vas revenir, on va t'attendre. Mais t'as 5 ans pour réfléchir aux maladies que tu vas répandre loin de chez toi pour t'enrichir. Aux maladies que tu vas répandre loin de chez toi pour t'enrichir. Tu viens me voir en homme d'affaires, les mains pleines de milliers d'emplois, avec ton savant nucléaire, compteur Geiger au bout des doigts. Si jamais tu trouves une poubelle pour les beaux déchets que tu produis, reviens me voir avec ta pelle, je t'aiderai si je suis toujours en vie. Reviens me voir avec ta pelle, je t'aiderai si je suis toujours en vie.
Merci. Jean-François Groulx.